Il n'y a pas d'étrangers. C'est ça. Le tour parce que comme c'est mixte. Aix-en-Provence, je suis revenu, je vous demande de rester assis sur vos fauteuils parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un restaurant, l'Opéra, restaurant bistronomique à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Je vous demande de me suivre car nous allons rejoindre le chef qui va nous réaliser une recette bien provençale. Le soleil n'est pas là aujourd'hui mais on va le mettre dans vos assiettes. Suivez-moi, on va. Les propriétaires du restaurant L'Opéra à Aix-en-Provence, à la rue Fermée, Jérémy et Steven, qui ont bien voulu nous recevoir pour l'émission Au fond de nos marmites sur Provence Plus TV. C'est un restaurant bistronomique, oui. Donc on fait une belle cuisine avec des idées très larges et des prix très serrés. On reçoit ici ponctuellement des musiciens, des magiciens et une exposition de peinture en partenariat avec l'ESDAC. Regardez ce magnifique endroit, c'est un petit cocon tout bouillé, tout bien agencé. Et nous allons à la rencontre maintenant du chef Serge Vigouroux en cuisine. Serge Vigouroux, bonjour. Bonjour Clément, bonjour, merci de nous recevoir avec dans plaisir. Ta cuisine. Ben, ça fait bien plaisir. Voilà, alors Serge il a fait ses écoles un peu chez Guy Savoie à Paris, voilà, j'ai travaillé une quinzaine d'années là-bas dans des bons restaurants. Et puis un peu partout en France, histoire de me faire la main un peu partout. Alors tu vas me faire le fond de ma marmite à moi, voilà. Ça sera un crémeux de butternut. Oui. Sur une joue de bœuf confite au vin rouge avec des amandes en marinière. Alors donc nous avons 1,5 kg de joue avec un bouquet garni à base de sarriette, 125 g de carottes, 100 g de poireaux, 120 g d'échalotes, ensuite des amandes. De l'ail que nous allons concasser rapidement, du beurre, et il en faudra 150 g, vin blanc 12 cl avec 12 cl de crème, ensuite le butternut et donc nos fameuses amandes. Donc là j'ai fait rissoler mon beurre, voilà, donc les belles jus de bœuf, magnifique. On va bien faire revenir la viande, histoire de... Je vais lui donner du goût et des sucres. Je suis de Normandie, donc le beurre et la crème fraîche, c'est bon pour moi. Un peu de poivre mignonnette, un peu de sel. Allez, la moitié d'échalotes. Et la moitié de poireaux. Donc on va faire suer ça tranquillement, histoire que ça embaume. Mais ça sent bon, hein. Déjà il y a les sucres, les odeurs là, qui parfument la cuisine. Ça sent vraiment la Provence, c'est quand même assez. Ça commence. Hein. Même que tu es, on va dire, voilà, de du Nord. Tu sais travailler quand même les bons produits de chez nous. Exactement. C'est un bon mariage que tu réalises là. Hein. Oui. Je vais chercher mon vin. Donc je vais le déglacer au Vaqueras. Ah, au Vaqueras. Hein, donc vin assez puissant qui va donner de la matière à la joue de bœuf. Donc faut pas avoir peur. Hein. 50 cl. Ah, oui. Et quand ça sera en ébullition, on pourra le faire flamber. Voilà. Attention la caméra. Attention la caméra. Hein. Voilà, donc on flambe le vin rouge, c'est normal. Afin d'enlever le fond d'alcool. J'avais préparé donc un fond de sauce, un fond de veau en réduction. Et je vais déglacer afin de pouvoir le faire cuire tout doucement. Voilà.
Voilà, ben maintenant ça va cuire pendant 2 heures, 2 heures et demie, suivant la grosseur de la viande. On vient de flasher les amandes. Donc qu'est-ce que ça veut dire flasher? C'est juste leur donner un petit coup d'eau chaude pour faire ouvrir les amandes afin de pouvoir les travailler correctement. Voilà, donc ça a été passé en vapeur exactement 3 minutes. Hein, 3 minutes, voilà, donc elles sont ouvertes. Dès qu'elles s'ouvrent, en fait, il faut les enlever. Donc comment ça se travaille? On ouvre. Vous voyez la texture de l'amande bien ferme encore, comme ça on peut encore la travailler, la cuisiner. Voilà, et donc là je les barbe. Donc ébarber, c'est enlever la petite muqueuse qui est là. Voilà, je vous remontre. Voilà, c'est enlever ça là. Voilà, donc on enlève ça. Ça permet en fait d'enlever tout ce qui est le sable. Donc une fois que tout a été ébarbé, nous allons encore les couper parce que sinon ça va faire trop gros, de façon à avoir une mise en bouche meilleure. Voilà, tout simplement. Ça chante, ça chante. Ça chante les cigales. Hein. Ouais, ça chante. Les cigales, elles sont pas encore là. Oui. Ça va pas tarder. Mais on va les faire venir, les cigales. Voilà, alors donc c'est une marinière un peu spéciale. Hein. Moi, je rajoute du poireau pour donner de la couleur à la fin. Oui. Vous voyez, là, c'est bien, là. La couleur, elle est belle. C'est bien nacré. On va pouvoir jeter les amandes. Voilà, et on laisse cuire. Déglaçage au vin blanc, 12 centilitres. Donc, il faut bien préciser, comme les amandes, elles ont été déjà flashées, il ne faut pas trop les faire cuire. Sinon, après, ce sera caoutchouteux et l'amande, elle ne sera pas bonne à manger. C'est très important. Donc là, on a récupéré le jus de cuisson, enfin le jus du flash, des amandes. Et je vais en mettre un petit peu, histoire de corser ma sauce. Alors, il faut faire attention parce que c'est quand même très salé. Donc, il faut faire attention avec le sel. Voilà, donc je n'avais pas mis beaucoup. Donc là, je mets la crème. Voilà, on va laisser prendre. Petite ébullition de 2-3 minutes. Et puis on passera à l'étape suivante qui est la réalisation de la sauce. Pour une vingtaine de minutes. Hein. Voilà. Le four vapeur, c'est parti. C'est parti pour 25 minutes. Voilà, donc là on va finir la marinière. On va monter en ébullition afin de pouvoir faire une petite mousse légère. Donc 25 minutes, le butternut il est cuit. Non, le travail. Voilà, donc le butternut et les pommes de terre sont cuites. Voilà, donc on va passer ça dans le blender. La crème. Beurre. Waouh. Attention au sel. C'est parti. C'est que on peut remercier notre belle planète, surtout la Terre, de nous donner des bons produits. Et une fois terminé avec la recette que Serge a bien voulu nous faire, c'est super. Donc voilà, 2 heures et demie de cuisson. Voilà, la joue de bœuf, elle est bien belle, bien brillante. Elle est cuite, elle est magnifique. Et en plus, elle sent bon, hein, ça sent bon. Voilà. Donc là, je vais la prendre et je vais la couper et on va faire le reste. Là, on va passer au dressage. Donc voilà la purée de butternut, le crémeux hein, bien sûr. Je pose ma joue de bœuf, donc confite au vin rouge, plus ma petite marinière que nous avons préparée d'amandes.
Rappelons que nous sommes à Aix-en-Provence, hein, Serge. Oui. Et c'est une ville d'art. Exactement. Donc on est en train de regarder un artiste. Ah merci, c'est gentil. Donc voilà, ça c'est du caramel d'hibiscus, un peu d'amande, donc amande, pour avoir ce côté croquant, petite pincée, et petite pousse au goût de champignon. Et pour finir, parce que moi j'aime bien quand il y a du volume, voilà. Et voilà. Serge, je suis ébahi devant ton assiette. Ah ben merci. On est à Aix, je le redis, la montagne de la Sainte-Victoire, représentée pourquoi pas par la joue de bœuf. Donc c'est simple, à la portée de tout le monde et de toutes les bourses surtout. Parce que là, on a vraiment un prix de revient qui n'est pas très très cher. C'est à peu près 4 euros par personne. Les enfants, on va terminer, on va goûter la spécialité que Serge Vigouroux, le chef du restaurant L'Opéra rue Fermée à Aix-en-Provence, a réalisé pour l'émission Au fond de nos marmites. Voilà, donc on goûte, et on va clôturer notre superbe émission. Jérémy, je tiens à te remercier de nous avoir reçus. Je l'avais à l'air. Voilà. La vie est belle. Hein. Vous êtes bien assis sur vos fauteuils. Nous, on est assis, mais on a un avantage par rapport à vous, c'est qu'on déguste. On se régale. Voilà, on se régale. Et très bientôt, vous allez certainement vous régaler aussi, puisque la recette est sur l'émission. Donc, ça sera aussi simple pour vous de la réaliser. Merci Serge Vigouroux, le chef. Eh bien, de rien. Voilà. Ça m'a fait plaisir de le faire. Steven, merci beaucoup. Angélique, la femme de Jérémy, encore merci. Clément, l'apprenti. A très bientôt pour une nouvelle émission Au fond de nos marmites sur Provence Plus TV. Merci. Merci à vous.